Merci Pierre, je vois que vous montez en puissance, prenez pas trop la confiance, vous êtes mal garé derrière quand même, on vous retrouve tout au long de l'émission, c'est une évidence. À tout à l'heure Pierre. Bah oui, faites attention quand même, parce que là j'ai l'impression que vous vous enflammez un peu, vous êtes à Moscou je vous rappelle. Allez, on va écouter Blaise Matuidi. L'euro de... combien de temps que vous la préparez cette vanne? Aucune. Ah, le roi a laissé la place à la présidente, au président. C'est pas en photo, même temps, là. Enfin, même pas discuté. Eh oui. La monarchie, non. Non, je ne suis que le chef du gouvernement. Il reste le roi. Le roi, mais vous n'avez pas de rôle actif. Voilà. C'est la reine d'Angleterre. Il faut quand même. Non, mais le grand public, on s'en fout. Mais si tu regardes l'Allemagne. Non, mais l'Allemagne, avant qu'ils arrivent à être champions du monde, il y a eu des demi-finales, il y a eu des échecs, et il y a un titre en 2014. D'accord, mais contre des grosses équipes. Enfin, on parle d'Espagne. Écoute, respecte quand même ton public qui a dû régler son téléviseur pour s'adapter à tes lèvres. Ça va, Guillaume? Oui, ça va, mais Saoud, ça va très très bien. Hésitant, mais Saoud, il a un... D'un côté, c'est un peu le playboy de... Ah, parce qu'il est hésité entre mais Saoud et mémé. Il a commencé comme si c'était mémé. Mais moment où il a prononcé le premier mais, il s'est dit c'est mais Saoud. Voilà. C'est l'équipe d'Estelle, et regardez-la, elle arrive en courant, elle s'affiche devant le grand public que tout à l'heure, elle ne mettait pas dans sa poche chez Karen Gelly. Bon ben, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai failli tomber, parce qu'il fallait... Maquillage? Non, pas du tout, c'est parce que j'ai... Ah, on me signale de l'oreille, c'est pas intéressant. On me signale une vue magnifique à Istra, c'est donc pas Guillaume Dufy, on est d'accord? Le coucher du soleil. C'est plutôt le coucher du soleil. Il y avait le coucher du roi, et il y a le coucher du soleil. C'est Istra. Ça peut devenir un hymne, hein. En 98, tes quatre de derrière, ils sont imbattables, et ton gardien aussi, parce que ton milieu de terrain, c'est Deschamps, Carambeu, et petit. Déjà, quand t'as passé ces trois-là, déjà t'as mal au crâne, parce que franchement, tu n'y passes pas. Des critiques ont été émises par les Belges sur la qualité de jeu des Français depuis le début de la compétition. Non, mais non, là, ça, laisse ça. Non. Courtois, il a joué à l'Atlético de Madrid, il a été champion d'Espagne. Non, laisse ça. Et à Chelsea, il croit, il fait le jeu du Barça. Non. Non, ça, on s'en fout de la manière comment on gagne, on a gagné. Est-ce que toi, Antoine, ça t'embête d'être perçu comme un champion du monde moche? Non, je m'en fous. Je veux l'étoile, et si j'ai l'étoile, je m'en fous du jeu qu'on aura fait. Moi, j'ai dit qu'on a manqué de fair play. C'est-à-dire que, ça fait des années qu'on dit que les Français ont des gros coups. Nous, en Belgique, faut le dire. Et on a eu une attitude. Mais moi, je comprends pas Courtois tout le temps. On perd contre une équipe qui était meilleure. Non, une équipe qui était meilleure que nous. Tactiquement, les Français nous ont battus. À un moment, faut faire preuve d'humilité. Et alors, ils font des déclarations. Et là, c'est de la surenchère. D'autres Belges, on en a moins parlé, ont eu des mots plutôt élogieux à la guerre de l'équipe de France. Ce fut le cas de Meunier, notamment, qui a dit à peu près la chose suivante. On est tombé sur une équipe bien plus intelligente que la nôtre.